L'équipe, avant de commencer, il faut savoir que la reprise, c'est le concept de rappelite qui permet à un artiste de reprendre l'air d'un tube super connu et de le modifier à sa sauce. L'objectif n'est pas du tout de faire une cover ou de reprendre l'intégralité du titre original. Au contraire, le but est de partir de la mélodie du refrain pour créer un nouveau titre dans un univers musical différent. Salut l'équipe, bienvenue au studio Les Bras Longs pour ce nouvel épisode de la reprise, le concept dans lequel un artiste reprend la top line d'un ancien tube qui va reposer sur une prod de Julien et moi. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Alrima, mon ref. Mon frérot. Ça va ou quoi? Comment tu vas? Nickel, ça merci beaucoup. Super. Merci beaucoup. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation pour la reprise. Merci à vous pour l'invitation, ça fait plaisir. C'est Alrima pour la reprise. Là, on a un épisode un peu spécial, ouais. Parce que d'habitude, c'est les artistes qui choisissent la top line justement qui veulent reprendre. Mais aujourd'hui, nouvelle règle. C'est ça, avec Jules, il y a une top line, on veut trop la refaire. That's not a DJ, save my life. Même ça, c'est trop mélodie, je l'ai dans la tête et... Ouais, voilà, c'est voilà, ça. C'est clair, c'est ouais, je t'ai choisi, moi. Tu vois, c'est laquelle, c'est bon. Ok, tu vas prendre ça dans le refrain. Ouais, quoi, top line. Et après, tu t'amuses, mon ref. Ok, vas-y, je suis chaud. Voilà, je suis chaud, mon frère. Carré. Vas-y, on y va. On y va, c'est bon, c'est carré, on va rentrer la fin. Vas-y, les frérots. On est parti sur la fin, les gars. Vas-y, on y va. Carré. Vraiment, donc la prod, on vient de la finir. Vas-y. Dans un truc, tu me dis si t'arrives à te projeter par rapport à la top line. Parti sur un truc un peu club, un peu funk. C'est quand t'es direct. Ouais, c'est ça, ça va tout droit. Ça passe bien, non? Ça va tout droit. Ça passe bien. Après les couplets, tu t'amuses, tu fais ce que tu veux. Si tu veux rapper en mode. Tu sais, ça débite sur les prods un peu funk ou si tu veux chanter top line, tu fais ce que tu veux. Vas-y, je suis chaud. De ouf. Vas-y. Si tu finis pas que chip, c'est ça va en cabine ou quoi? Ouais, on va. Quand tu veux tout de suite. Vas-y, ça va. Vas-y. Donc là en fait ce qui se passe c'est que Alrima il a déjà trouvé la top line, il l'a déjà posée en mode yaourt, là il va reposer avec des paroles dessus. Et ça s'annonce très très bon, ça s'annonce très très bon. Julien très concentré, ça s'annonce très très bon les gars. On fait par dessus, garde ça, on y va. Ça marche. Vas-y. Savoir que Alrima il écrit pas du tout en amont. En gros, il rentre dans la cabine et ce qui lui vient, il fait au fur et à mesure. L'artiste qui écrit, lui préfère rentrer dans la cabine directement et voir son inspiration. C'est intéressant à voir. J'esquive les gueules juste dans la job, j'ai le mot. À l'aise. Ouh, à l'aise, Alrima. Faut toujours roter, ça fait du bien, ça dégage. C'est ça, écouter ça. Non, fais pas écouter, rajoute un autre truc, vite fait. Ça marche. Ok. Oui, ça a craché. C'est tellement fort qu'il a... Voilà, que... tellement lourd. Ton feu est tellement lourd, mon gars. Eh, frérot. Merci, les gars, mais j'ai déjà oublié ce que j'ai fait. Tranquille, on a enregistré, tranquille. J'ai enregistré. Viens, attends, remets, enlève, remets. Ok, j'enlève, remets. Ça marche. Maman. Ah ben dans la zone, j'en avale. Garde ça, vas-y on passe au couplet. Je crois qu'on a un bon refrain les gars. Aïe aïe aïe, bang bang. Ce qui est ouf c'est que là, il y a 5 minutes on l'a lancé. Il a posé sa top line, il a réécrit par dessus ultra vite. Et là on a déjà un refrain. Hey, Julien, le refrain il a fait en quoi? 10 minutes là? Ça fait 10 minutes. En 10 minutes il a fait le refrain. 10 minutes. J'ai trop de flow dans ma tête en fait. Ouais, il y a beaucoup de flow, mais là, tu enregistres tout ce que tu fais là. Non, t'as même pas besoin, ça va venir. Vas-y, au revoir. Je sais que tu m'aimes, mais mon cœur est pris. Tu veux un feat, faudra mettre le prix. Voiture de luxe, ce n'est pas un prêt. Je fais des affaires et on se capte après, bébé. Ok, garde ça, enlève juste le bébé. Hein, tu parles sur le web, je m'entends. Un peu de rap pour faire taire les types. Bon qu'à faire la malade sur Snap. C'est du rap, la reprise, c'est l'élite. Carré.
faudra pour faire taire les types. Un baisse, bon qu'à faire le malin sur ce n'est pas. J'aime trop quand il fait ça. J'aime trop qu'il fait ça. Merci, j'arrive. C'est ouf. Et voilà, on finit par l'intro. Moi je pense c'est court. Il nous avait prévenu, Ah, les gars. J'avoue. Le frérot, il avait tout dit. L'intro là, il est 15h20, on a commencé à 14h et quelques. Wesh. Choqué. Ah oui, il nous avait prévenu son manager, il nous a dit. Frère. Non, mais il a dit venir en 2h, pas en 1h10, wesh. Efficacité, qualité. Adrima. Merci les frères. Merci beaucoup. Toi, merci. On peut se faire une petite écoute vite fait déjà, comme ça on voit un peu le tempo, les bails commencer, si c'est réceptif, si les humains sont réceptifs. Remets depuis le début, Chris. Tu fais ça après, remets depuis le début là, tu sais. Chris, on attend là. Chris, monte-moi le son, frère. Après les ambiances, on verra un peu ce qu'il y a à rajouter, truc. Et pourtant c'est un des meilleurs ingé. Non, 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 je dis pas. Défense. Non, 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 je dis que mon artiste est bon. Un peu mélange. Un petit funk. Tu fais une position. Charge au manège. Comme ça. Tu vois, pour vraiment tes pieds, comme ça, tu vois. Après tu te fais comme ça. Tu fermes. T'as capté ou pas? Ah oui! Bon, comment dire? C'était il y a pas assez longtemps qu'on était à la même place. De vous, je veux dire! La tête de l'homme! Ça s'est passé comment? T'as trouvé ça comment un peu? Moi? Ouais. Bah c'était le... Ouais, c'était cool, efficace. Belle mélodie de refrain, ça m'a fait penser un peu, tu vois? De fou, de fou. Un peu funky, tu vois? Funky, ouais. Ouais, en plus c'était ultra ultra rapide, hein, en vrai de vrai, c'est une dinguerie, c'était quoi? Il a commencé le bail, il a même pas écrit, faut préciser aussi que Al-Rima, il a même pas eu le temps d'écrire, il avait son petit yaourt, il a écrit sur le tas. Merci. Toi t'écris jamais toi sur ton bigot, c'est directement calé. En fait je mets des mots-clés, après ça, la phrase elle me vient, tu vois. Je mets mots-clés, après je vois, je fais... Enfin on a réussi à prendre quelqu'un pour la top line. T'as capté. En plus le bouga respecte ça. Alors entre temps on s'est renseigné, c'est qui déjà? C'est Indip. Indip, voilà, Indip, DJ Save My Life. On se met le son là, c'est ça? Merci beaucoup d'être venu. Merci, merci. Notre check il était éclaté. Mais vas-y, non, on va le garder parce que tu fais le malin. Ok. Non, au top, au top, c'était lourd, vraiment. Merci, la reprise, Rap Elite, le son qui a été fait plus rapide qu'une interview. Et merci. Ouh, bien. Exactement. Au revoir. Sur Snap, okay. C'est du rap, la reprise, et c'est les notes. Dans ma ville toute la night, mais...
mort. J'esquive les coeurs, je suis dans la jungle.